Eh bien, salut à tous, c'est Fulito. On se retrouve aujourd'hui pour ce 20ème épisode de notre aventure sur Pokémon version Excel. J'espère que vous allez bien. Bien, pour ma part, moi, ça va super. Donc, rappelez-vous, la dernière fois, nous avons capturé le légendaire Suicune. Donc, que voici, que voilà, qu'on ne va pas garder. Enfin, si, on va le garder, mais je veux dire, on va pas le mettre dans notre équipe. On va le laisser au PC, mais avant la fin du let's play, je l'utiliserai, donc je sais pas quand, je sais pas où, mais je le ferai. Et donc, bien, voilà pourquoi je suis tout content. Car, si vous avez vu ce dernier épisode, donc l'épisode 19, vous avez pu voir une magnifique capture de Suicune. Bon, peut-être pas la meilleure, mais je trouve que j'ai pas mal géré puisque j'avais oublié de sauvegarder, donc je suis arrivé comme ça, boum, direct, et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié de sauvegarder, donc j'étais un petit peu dans la muise, donc j'avais pas droit à l'erreur, et au final ben ça s'est très bien passé puisqu'on l'a capturé, même si on a mis quelque chose comme 10-15 minutes, mais ça a été. Et donc du coup maintenant on va se diriger vers la prochaine ville. Donc la prochaine et la dernière de Johto, puisque vous pouvez voir qu'on a bien tout visité. Il ne reste plus que Ebenel, donc qui se trouve ici. Donc la dernière ville et donc là où se trouve la dernière arène. Donc notre dernier badge, puisqu'on en a déjà 7, il ne reste plus que cette jeune demoiselle à battre. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Tant pis, on verra ça. Et donc, eh bien, on va se diriger vers la suite. Par contre, je vais vérifier un petit truc. Tout d'abord, mes objets. Est-ce que j'ai des repousses? Super repousse, j'en ai 8. Ok. Les CT par contre, ça je pense que je vais le vendre. Cauchemar, je ne sais pas. On va garder ça jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on a nos trois autres Pokémon de l'équipe finale. Et on va mettre en premier. Bon, lui niveau 48, on va mettre Mentally. Et on va switcher, après on va mettre Léviator. Voilà. Et on est parti. Ça commence déjà, très bien. Je vais gagner, pour sûr. Ouais, ok, si tu veux. Mais non. Non, en fait, tu vas pas gagner. Hop. Qu'est-ce que tu as, toi? Un Nachu. Un petit Nachu. Un des Pokémon que je voulais au début. J'hésitais entre lui et Mentally. Alors toi par contre... Ah non mais j'ai ça. Ouais c'est super efficace ça. Hop. Une petite attaque de type ténèbres. Ça fait du bien. Un Kadabra, on va rester avec Mentally. Au moins jusqu'au niveau 46 peut-être, je sais pas. On verra. Bon là c'est sûr qu'on les dépouille. On a quasiment 20 niveaux de plus qu'eux. Mais après, j'espère que ça va augmenter. Comment, hein? J'espère que ça augmentera. Comment dire? La championne, je crois que c'est Sandra. Ouais, voilà, Sandra, je me rappelle. Je crois qu'elle a des Pokémon dans les niveaux 40. Ah, ok, je sais plus. Je ne sais plus. À vérifier. Peut-être 40 sont plus forts, je ne sais pas. On va passer par le haut pour voir ce qu'il y a. Il doit y avoir un truc. Là, il n'y a pas un objet. Non, non, je veux pas ça. Je ne veux pas ça. Hey. Oula, mais ça mine où là? Mais je passe à côté de plein de trucs. Bon, c'est pas grave, on va faire demi-tour. Toi, je te snob. Ah ouais, mais bon, on va sur lui. Ah, tu m'as fait perdre un petit art. Tu vas t'excuser, ouais.
Non. Non, 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 non. Je ne m'excuserai pas. Hop. Bon. En tout cas, je sais pas combien de temps va durer cet épisode. De toute façon, depuis le début, je dis toujours entre 25 et 30 minutes, et au final, il n'y a jamais eu d'épisode qui fasse ces temps-là. Enfin, si, peut-être 2 ou 3 maximum. Donc bon, si c'est un long épisode, ça sera un long épisode. Et si c'est un court, ben ça sera très court, voilà. T'es confus, c'est pas cool. Allez, vive attaque. Ah, zut. Morsure. Oh non. Hop. On va l'avoir. Je dis on va l'avoir. Mais. Notre petit mentali. Hop, niveau 45. T'apprends pas un truc, non, non. On va changer, on va mettre... Non, on va garder. On va garder, on va essayer de mieux gérer. Je fais un peu n'importe quoi, là. Allez, ballon, ça devrait faire mal, ça. Ouais, voilà, one shot. Hop, excusez-moi. Un poisson, ouais. Ok. Ballon. Bim, tu es mort. Je te pardonne. Ok. On va mettre notre biscuit. Par contre, j'aimerais bien voir. Il y avait quoi là-bas? Il y a de l'eau, donc ici il n'y a rien d'intéressant. Et donc là, attendez, mais il n'y a pas un truc. Ouais, si, il y a un truc. Sérieux? Ah, j'en ai marre d'avoir le sac plein tout le temps. Qu'est-ce que je vais jeter? Des brûlures. Bon allez hop, on s'en fout, c'est plus intéressant ça. Bon alors on va rester en bas et on va revenir en haut après. Voilà, toi, coucou, je pêche comme un méga dingue, je fais des combats aussi, les Pokémon je les aime aussi pour ça. Ok. Alors t'en as combien toi? De ça. J'ai toujours peur que... qu'ils en ont 6. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que des fois les pêcheurs ils en ont toujours... toujours... 4, 5, 6... c'est chiant. En plus ils ont toujours les mêmes Pokémon. C'est horrible. Hop, un Remoraid. Ballon, ça fait bien mal. On va peut-être soigner aussi notre mentali. Enfin, quoique là il tient le coup, mais bon. On va quand même le soigner. Super potion, ça devrait suffire. Voilà, on n'est pas à 4 PV près non plus. Toi là-bas, coucou. T'as l'air fort. Ça te dirait un petit challenge? Ouais. Alors, t'as quoi? Un papillusion. Coucou. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Et t'as quoi d'autre? Un joli flore. On va te garder. Même si je pense qu'avec
Avec les Vator, on lui aurait fait bien mal, mais. Mais bon. Je préfère pas tenter non plus. Ah, sérieux. s'il te plaît, attaque. Ouais, non, mais attaque, s'il te plaît. Voilà. Et on a échappé à l'attaque. Ça devait être Lance-Soleil, je pense. Oh, rien compris. Ouais, alors par tout compte, maintenant... Total soin. Ah, que j'ai pas des antiparas. Si, j'en ai plein. Voilà. Bon. On va remettre notre bicyclette. Ah. Il y en a combien ici? Tu as du total... Tu as du talent. Ça se voit. Mais, comment dire? Je suis le plus fort. Ok. J'ai du mal à parler. Je parle un peu du nez. Je suis un petit peu malade. Oui, en fin d'été, je suis malade, c'est normal. Tout à fait logique. Ah, un bon petit Reptacel. Ah. J'adore ce Pokémon, mais. J'ai envie d'utiliser mon petit Divator pour l'éteindre, éteindre son feu. Vas-y, si tu veux. Et moi je vais te faire... Bon allez, hydrocanon. Prends-toi ça. Maintenant tu seras tout mouillé. Hey. Même pas mal si tu veux. Donc du coup... je serais tenté. Bon, on va garder Mentally jusqu'au niveau 46, puis après on va switcher, on va mettre comment il s'appelle, Léviator, voilà. Une hyperbole, ok. Coucou. Je veux des Pokémon rares, ya. Yeah. Moi aussi. Et en parlant de Pokémon, normalement dans cet épisode nous aurons notre quatrième Pokémon de l'équipe. Ouh, un beau Rhinocorn. On va réenvoyer... Enfin non, quoi que non. Hop. Donc je disais, oui. On aura notre quatrième Pokémon. Normalement. Et... Si vous avez regardé les premiers épisodes, je crois que c'est dans les premiers épisodes que je dis mon équipe. Oh, tes Pokémon sont si beaux. Dans les premiers même, je crois que c'était dans l'avant-dernier épisode, j'en avais parlé. Vous savez de qui il s'agit. Après, reste à voir s'il est rare ou commun, parce que s'il est rare, ça va être un petit peu long. Tiens, on voit la sortie là-bas, je pense. Bon. Nous, on va aller là. Ah. Coucou. Tu connais les Pokémon oiseaux légendaires? Oui, très bien, je les connais. Ce sont les Pokémon de la première génération. J'aime bien parce que lui il parle de oiseau légendaire mais il balance un petit roucoups. C'est pas très légendaire tout ça. Encore, tu m'aurais envoyé un Articodin ou un comment il s'appelle, un Sulfura ou un Elector. Ça aurait été cool. D'ailleurs je sais même pas si on peut les avoir dans cette version. Je crois que si. Est-ce qu'on peut les avoir? Non, je sais plus. Je ne sais plus. Il me semble mais je suis pas sûr. Passe niveau 46. On va changer. On va mettre l'Eviator. Hop. Alors, tu vas faire ouragan. Ah, quoique, est-ce que je vais mettre l'Eviator maintenant? J'ai le temps de réfléchir. En fait, c'est peut-être pas la bonne idée. Vous allez voir pourquoi. Si je dis pas de bêtises,
On va déjà faire ça. Alors toi, tu rigoles pas. Ok. On va arrêter. Donc, route 44, route de glace, tout droit. Voilà, donc si je dis pas de bêtises. Il y a des Pokémon glace, donc du coup, il est de type vol. Vol haut. Je crois que les Pokémon de type vol craignent la glace, donc c'est peut-être pas la bonne solution à... Ah, c'est pas la bonne idée. Ouais, non, non, on va garder Mentali. Et donc, on passe par cette belle route de glace qui est vraiment très belle pour le coup. Dans Pokémon Crystal, j'étais jamais arrivé aussi loin. Car j'avais fait Pokémon Argent, et dans Pokémon Argent, c'était pas aussi beau. Donc, ça fait plaisir de voir ça. Alors, par contre, là, il y aura plein de Pokémon. Un bon petit cas d'oiseau. Coucou, t'es tout mignon. Mais je ne te veux pas. Désolé. Alors là, par contre, on pourra pas mettre de super repousse. Ça va être un petit peu chiant. Parce que mon prochain Pokémon se trouve dans cette grotte. Donc, on pourra pas. Hop, il n'y a pas d'objet ici. Non. Non. Ah. Non, mais. Ah, non. Alors, en plus, il arrive sur moi. Alors, par contre, je ne sais pas où il se trouve exactement. Je sais pas s'il est rare ou non. Bon, on va fuir parce qu'on va pas faire tout le combat non plus. Je sais pas s'il est rare ou pas. Pff, ça va être un petit peu la merde. Tant pis, on verra bien. Alors, par contre, ici, dans mes souvenirs, il y a un objet qu'il ne faut pas rater. Car il sera très important de l'avoir. Alors, faut glisser. Là-bas, il y a quoi? Sur la gauche. Il n'y a rien, à mon avis. Hop. Là, il doit y avoir un objet. Ouais. Ah. Ouais. Comment on fait? Comment qu'on fait? Là, je vais là, j'ai pas le choix. Non. Ah, là, comme ça. Voilà. CS numéro 7, voilà, donc c'était ça l'objet à ne pas manquer. Donc, une capacité secrète. Si je dis pas de bêtises, c'est un cascade, voilà. Donc on l'apprendra peut-être à Léviator, je ne sais pas. Par contre, maintenant je veux sortir, moi. On verra ça. Donc, pour l'instant, on va pas lui apprendre. De toute façon, on ne pourra pas l'utiliser en dehors des combats. Je crois qu'il faut le badge de la reine d'Ebenel. Donc on va aller là. Attends. Non. Ah non, je crois toujours qu'il y a des objets comme ça, mais des fois il n'y en a pas, c'est bizarre. Alors, comment ça se passe ici? Ouais, donc faut force. Ah, ok, faut mettre les trucs dans les trous. Ah, ok. Par contre, s'il y a les Pokémon qui arrivent comme ça va être un petit peu chiant. Je vais pas les attaquer. Sinon. Ah! Sinon, on n'a pas fini. Encore, il me donnerait mon Pokémon, mais là, il me donne des Nosferatu, des Nosferatu, je m'en fous. Au revoir. Voilà. Alors. Mais. Voilà, c'est de l'autre côté. Ah! Bon, ça commence à être un petit peu chiant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une super repousse, parce qu'à mon avis, je pense que mon Pokémon n'est pas à ce niveau-là. Je pense qu'il doit être au niveau de la glace. Donc je vais mettre une super repousse. Voilà, juste le temps de mettre les rochers dans les trous. On va pas passer par l'escalier, à mon avis, c'est pour après. On va déjà faire ça. Oui.
Vas-y mon petit Marist. Alors, on va déjà bouger lui. Alors là, faudra... Comment qu'on fait? Ah ok, non, faut faire tout le tour, je pense. Attendez. Comment qu'on fait? Non. Là, ça va là. Avec ces trucs, je suis pas très doué. Voilà, super. Super. Mince, comment on fait? Pas une autre manière. Ah, c'est peut-être pour lui, non? Ah non, c'est pas possible. Ah non, lui, c'est là. Bon. On va déjà faire lui. Ah, je suis pas doué avec ça. Ah. Non mais, laisse-moi passer. Voilà, donc là, à mon avis, il faut passer par là. Hop. Dans le trou. Ok. Donc ça va être pour la salle du dessous. Maintenant. Là-bas. Ça va où? Non, quel truc? Comment je suis censé faire? Ah, attends. Par la gauche, peut-être. On va remettre un repousse. Hop. Hop. Comme ça. Non, même pas, si. Allez. Si je fais ça. Ah si, je pense. Ah non. Ah si, je pense savoir comment. Et après, je pense qu'il faudra faire tout le tour. On va mettre... hop, ça. Il n'y a pas moyen... Non. Bon, on va faire tout le tour. Alors, c'était où? C'était là-bas. Pardon. Bien joué. Bon hop, de toute façon ça va, on va... Sérieux là? On va enlever la bicyclette, sinon c'est un peu chiant. Je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Ça va un peu trop vite, alors du coup je fais n'importe quoi. Hop! Dans le trou. Alors du coup faut que je mette ça là-bas. Attendez, on va ressortir 2 secondes. Hop. Et voilà, on descend. Enfin, on remonte. Bon, on redescend, je sais plus. Non, c'est bon, on descend. Ça. Oui, je veux bouger ça. Hop. Alors, on va mettre celui là-bas. Comment qu'on fait, je ne sais pas. Si en fait je pense savoir comment on fait. Ouais, c'est comme ça. Comme ça et comme ça. Alors maintenant, il reste lui, j'ai pas compris. Oh. Un Pokémon. Est-ce que c'est le mien? Non, ce n'est pas le mien. On va reclaquer une super repousse parce que voilà. Et au pire, si vraiment je trouve pas mon Pokémon, je sortirai de la grotte et je ferai une ellipse, je rentrerai et je ferai une ellipse le temps de le trouver. Hop. Alors, par contre, je vais juste 2 secondes prendre mon support. Je ne fais rien, c'est normal. Hop. Voilà, ma manette était en train de se décharger. Comment qu'on fait? Ah, je pense savoir.
Ah, je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Si c'est pas ça, eh bien tant pis. Ah si, ah si si, si si, c'est bon. Hop. Et bim. Ok, donc maintenant on peut descendre. Et donc ça va nous donner le chemin. Ah par contre, il n'y a pas des objets ici. Il doit y avoir des trucs obligés. Des objets cachés dans un peu tous les coins. Là, c'est obligé, il y a un objet. Ah. Et c'est obligé que j'ai mon sac plein. Oui, youhou. Ah j'ai ça mais pourquoi j'ai pas vendu moi encore. Bon on va faire un truc, on va donner notre multi-exp à... allez un enfant. Juste en attendant, voilà. On va récupérer cette carbone. Et on va l'utiliser. La vitesse. On va augmenter la vitesse de qui? Ah non non non, on va pas l'utiliser. On va l'utiliser sur notre prochain Pokémon. Bon là, il y a un objet. Une potion max. Ok. Et là-bas, c'était pour remonter, d'accord. Ok. Alors maintenant, il va suffire... Il va falloir comprendre le système du truc. Bon, en fait, non, c'est pas bien compliqué, voilà. Total soin. Ok, et donc maintenant on peut descendre. Ici, il y a quoi? Il y a rien, il y a rien. Éclatroc, est-ce que j'ai Éclatroc sur moi? Ouais, c'est bon. Ah, j'en ai marre. Bon, on va acheter un truc. Double l'argent des... On va la donner à ma veste en attendant, voilà. Hop. Donc ça, on la donnera à notre Pokémon, qui sera du type glace. Ouais, donc ici, c'est juste un petit raccourci. Histoire de faire le tour. Hop, 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 y a pas d'objet, non. Alors je pense que c'est dans cette salle qu'il y a notre Pokémon. Ah, je veux l'objet là-bas, moi. Ok. Alors comment on fait? Non. Non. C'est ça que je veux. Ouloulou. Ah d'accord, ouais. Faut pas faire comme ça. Faut faire, je sais pas comment, mais faut faire. Pitcher? Non. Tutut. Alors, comment qu'on fait pour avoir l'objet? Ah, c'est pas vrai. Attends. Là. 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 Là, non. Ah non, je dois tout refaire le tour. Non. Non. Cas d'oiseau, je m'en fous de toi. Moi, je veux... Je veux quelqu'un d'autre. Adieu. Je veux quelqu'un d'autre. Oh. Ça va être quoi? Anosferapti. Ah. Anosferapto. Oh, pardon. Nosferalto. Oh. Salut. Bon, alors maintenant, moi, je veux l'objet. Ah, peut-être comme ça. Non. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Pas comme ça que je veux faire, moi. En passant là. Là, non.
Ah bah si. Si, 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 si. C'est bon. Ah, je fais n'importe quoi. Alors, sac. C'est quoi ça? C'était 44... repos. Mouais, ça j'utilise jamais. Bon, alors maintenant. Dans cette salle... Oh, oh, oh. Attends, attendez, il y a un truc en bas. Non mais... Ça va aller, ouais. Voilà, hop. C'est quoi, c'est un objet? Ouais, c'est un objet. Oh non! Sérieux, ce sac? J'en ai marre. Pour s'enfuir face à un Pokémon sauvage. Allez hop, alors là. J'en ai rien à foutre. Je le jette. Excusez-moi si vous trouvez ça un petit peu voilà, mais bon. J'en ai marre. Alors, comment? Comme ça, comme ça. Et est-ce que ça va être mon Pokémon? Non, ça va pas être mon Pokémon. Bien sûr que non, ça sera pas mon Pokémon. Peut-être dans cette salle, non? Ah mais... Oh non. Bon, on va utiliser le fer, tant pis. On va l'utiliser sur... explosion, allez. Hop. Et là... Protéine encore. Enfin, encore, je sais même pas si on en a déjà eu. Oh, un objet. Ah là là. Je sais pas quoi faire moi. Toi. Corde sortie. À la poubelle, voilà. PP plus. Ok. On verra ça plus tard. Hein. On verra ça. On donnera ça dans le prochain épisode. Et là. Ok, bon, alors là c'est la sortie. Donc on est arrivé à Ibenel. Mais moi je veux mon Pokémon qui se trouve dans cette. Dans cette grotte, voilà. Dans cette grotte. Alors que faire? Soit je m'arrête ici et on le fait au début du prochain épisode. Soit je fais une ellipse jusqu'à ce que je le trouve, je ne sais pas. Bon, on va aller déjà dans le centre Pokémon. Tu as traversé la route de glace, tu dois être balèze. Eh oui. Donc voici Ibenel qu'on visitera dans le prochain épisode. On va juste aller au centre Pokémon. Hop. Voilà. Et on va retourner dans la grotte. Et bon, je vais faire une petite ellipse le temps que je trouve le farfuré. Et je vous retrouverai lorsque je serai en combat. A tout de suite. Ok, bon. Donc apparemment, j'ai toujours pas trouvé. Et je pense à pourquoi. J'ai été vérifier ça. Et en fait, ils apparaissent le matin et la journée. Et manque de peau. On est la nuit. Donc du coup, il n'y en a pas. Super. Bien tant pis, on fera ça dans le prochain épisode. C'est pas un souci, donc au tout début du prochain épisode, donc j'essaierai de tourner assez tôt, enfin, en journée. Et donc comme ça, au début du prochain épisode, on ira vite fait dans la route de glace pour le capturer. C'est pas un souci. Bon, on fera ça.
Et ensuite, on fera le petit tour dans Ebenel et on ira peut-être faire l'arène, je sais pas, tout dépend si on a le temps. Bon, à mon avis, oui, je pense qu'on aura le temps d'aller se faire l'arène. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Bon, désolé que j'ai pas pu capturer Farfuré, voilà, donc c'était Farfuré. Je vais vous le dire hein, quand même. Farfuré, j'ai pas pu capturer. Mais on fera ça dans le prochain épisode. Et donc, bah, si jamais vous avez des commentaires à faire, ben, n'hésitez pas à commenter les vidéos. Et donc, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 21. Allez, bye bye tout le monde!